Salut, on se retrouve sur Farming Simulator pour la suite de ma carrière sur la map Stenvik. Ça fait un bon bout de temps que je n'y avais pas joué. Et comme mes amis, surtout Sistool, m'encouragent à reprendre, à la continuer, et bien voilà, de retour. Alors je ne sais plus ce que je faisais. Ah oui, bah je ramassais de l'herbe pour ma seule vache. Bon, on va continuer ça. Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait une vidéo la dernière fois, mais j'ai eu quelques soucis. C'est pour ça que j'ai de l'herbe et que c'est pas fini de ramasser. En fait, j'avais pas fait grand chose, donc sur la map il y avait des pièces d'or. Tout ce que j'ai fait, c'est ramasser les pièces d'or que j'ai ensuite mis dans le puits, ce qui a permis d'avoir tout d'un coup mes stocks revus à la hausse, et c'est une bonne chose. Ça va me permettre de vendre un peu pour avoir de l'argent, pour acheter du matos pour continuer, surtout faire le maïs, il y a du maïs qui est prêt. Faire un peu d'ensilage. Comme ça après je pourrais acheter d'autres vaches. Parce qu'une seule, je vais pas aller loin avec une vache. Allez, on va ramasser le petit bout là. Pas ramasser, tant pis, c'est pas pour un petit morceau. Alors on va retourner à la ferme. Laissez passer, sinon il va m'embêter. Voilà le fameux puits que je parlais tout à l'heure. Bon, ça, je vais mettre en place. Ah ben non, je vais pouvoir aller la vendre puisque j'en ai deux, donc j'en ai une qui me sert jamais à rien. Mais avant je vais remettre ça pour voir un peu le magasin. Voilà, donc il me faut une ensileuse. C'est là-dedans, je ne sais plus. On va aller voir. Oui, voilà. 38 000. Ah oui, mais non. Il faut que je vende avant. Donc je vais aller vendre un peu de colza. Parce que c'est ce que j'ai le plus. Ça, je vais
mais c'est là en attendant. Est-ce que j'ai mis la remorque? Évidemment, j'ai fait le tour à l'envers. C'est pas passé en dessous, sinon on va remplir alors qu'on n'en veut pas. Voilà. Alors j'ai du colza. Hop. Démarrer. Elle est pleine. Ah oui. Bon, on va regarder. Non, c'est pas là. C'est ici. On va voir où est-ce qu'on le vend le plus cher. Colza, c'est là. Troisième ligne, toujours. Alors, on le vend pas, hein, quand même. 2106, 2196, élévateur à grimpe. Élévateur à grimpe, c'est là-bas. Allez hop, on est parti. Faire un voyage ou deux, histoire de vendre un peu. Ça, je vais en acheter l'ensileuse pour tracteur, parce que la grosse je peux pas me permettre. Et si je sais, une remorque, j'aurais déjà plus facile qu'avec les deux petites. Parce qu'il y a tout maïs là à ensiler avant qu'il pourrisse. Parce qu'évidemment, je ne sais plus si j'ai. Si j'ai activé ou désactivé la pourriture, si je puis dire. Il y en a du maïs, donc il y a de quoi faire. Le colza est en train de pousser. Ah oui, c'est à gauche. Train, on y va. C'est dur à la côte. Si je me trompe pas, c'est ici. $14,925. Combien il me dit que j'ai là? 17 000. Ouais. Voilà, si je me trompe pas, c'est là-dedans. Continue à vider.
Alors... Voilà. Allez, bien en même temps quand même. Ça va plus vite. 54 000. Voilà, ça monte. Combien j'ai vu qu'il me fallait. 38 000. Ouais, mais il me faut une remorque aussi. On va aller voir la remorque. Je vais faire ça, ça ira plus vite. Voilà. Remorque. Bon, déjà la petite là, on serait content. 45 000. Bon, je vais refaire un voyage. Comme ça, je pourrais acheter les deux trucs. Déjà plus vite à mine, hein. Je vois pas de train, on y va. Vite avant la voiture. C'est des passages, on s'en fiche. Voilà, je suis passé à temps, le train passe. On aura le temps. Oui. C'est pas, il n'aura qu'à attendre. Attention les poules. Il n'y a pas à cause encore. Hein. On est parti pour un deuxième voyage. Petit chat dans la gorge. Et puis il aura quand même pu prévoir un espace pour elle, parce que... En pleine cour là. Et celui-là qui roule à 30 à l'heure. On y va. Je vends du colza vu que j'en ai encore là.
Parce que je vais le vendre, je vais le récupérer après donc. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas dans le terrain, dans le champ. Je vais aller voir après. Aller voir le champ là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est encore du maïs. Donc je vais pouvoir en faire de l'ensilage. Ou alors une partie ensilage, une partie en grain, je vais voir. C'est là qu'on voit les œufs, d'accord. Hop là. Un petit fail. Magasin là, avec la sortie en plein virage. Pas très évident. Bon, je vais prendre celle-là pour aller la vendre. Je suppose que c'est là. Si je me mettais dessus, ça irait mieux.
Ça pour voir plus clair. Ah non, si c'est pour acheter. C'est là pour vendre. $16,002, voilà. Bah allez hop, on revient là. Alors j'ai dit la remorque, on va prendre celle-là. Et l'ensileuse avant pour tracteur. C'est parti. C'est un peu juste, le juste là, je sais pas. Mais... J'ai failli voler. Attends, j'espère que mon tracteur sera assez puissant pour tirer la remorque tout en passant la machine. Allez, on y va. Espérons qu'il n'y a rien à gauche, c'est bon. Je viens à ta droite, les bananes. Prends du virage comme un camion. Préparé à l'entrée du champ. On va se quitter là pour cet épisode. Heureusement, on passe à travers les poteaux. Qui avance tout seul. Et ben voilà, c'est ici que je vous laisse. Je vous dis bye bye, salut, à la prochaine. Si vous aimez, ben, aimez. Comment, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous laisse. Ciao. À la prochaine.